Votre choix vous appartient, comme je vous ai dit. Mais vous savez, si vous partez pas ce matin, retour ici et après c'est vol spécial. Mm-hmm. D'accord? D'accord. C'est très clair. Comme ça, vous pouvez choisir. Mm-hmm. Bonjour, monsieur. Allez, bonne chance. Au revoir. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Bonjour, monsieur. Bon, c'est bien. On vous a un peu expliqué? Ouais. Bon. Alors, on y va tranquillement. On n'est pas responsable de l'avant, on n'est pas le responsable de l'après, on est juste responsable, mais ce juste-là, il est fondamental. Parce que c'est un moment de vie terrible quand on est incarcéré, quand on est privé de sa liberté. Ben messieurs, aujourd'hui, c'est votre départ. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Y aller? Ouais. Je pense que vous attendiez un petit peu, hein. Et nous sommes très tristes de vous voir partir. Mais je pense que c'est pour un projet pour vous. Et puis c'est bien que ça prenne fin aussi. Hein. C'est pour le cœur, pour moi. On aimerait vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Parce que vous êtes des gens bien et vous le méritez. D'accord? Merci, grand, merci. Merci beaucoup. Chez nous, ils sont enfermés et réellement dans la cellule de 21h le soir jusqu'à 8h le matin. Et tout le reste du temps, ils ont une libre circulation à l'intérieur, en fait, d'un lieu fermé, mais à l'intérieur de la maison. Et ils sont en interaction avec mes collaborateurs, avec le social, avec le médical, un suivi médical important. Il faut savoir que c'est des gens qui souffrent. Donc forcément, s'ils souffrent, il y a des problèmes psychologiques, voire des fois des problèmes psychiatriques, qui voit le jour. Alors là, il y a à peu près entre 20 et 25 pensionnaires. Okay. Moi, je dis des pensionnaires, je dis pas des détenus. 25 pensionnaires. Voilà. Alors, je vous présente Mohamed. C'est le troisième agent parce qu'on est trois à travailler tous les jours. Donc Mohamed, aujourd'hui, c'est lui qui distribue la nourriture. Demain, ce sera un autre, mais c'est chacun son tour. Pourquoi cette situation sera possible en Suisse et pas en Hollande? Alors, je vous rassure, elle est possible partout. Mais pourquoi? C'est pas Suisse, la réalité. En Suisse, elle est possible dans un cas sur 28. Les 28, c'est le nombre de lieux d'incarcération administratifs en Suisse. Il n'y a qu'à Frambois qu'on fait ça. Alors après, c'est une question de volonté politique. Le 3 mars, je vais faire une année ici. Ouais, en mars, il va faire une année ici. Denis, c'est pas facile, hein. Le temps aussi que vous pouvez rester là, vous connaissez, ça peut être... 24 mois. C'est 24 mois. Mais 24 mois, ça fait quoi? Des situations, ça, c'est ghettoiser les gens. C'est ce que la population a voté, hein, comme ouais, la population a voté, mais la population ne sait pas ce qui se passe derrière les votes, là. Si t'es condamné, t'as fait un crime, t'es jugé, tu sais. Mais là, t'es là, ils disent demain, ils disent dans un mois, dans trois mois, mais ça vient jamais. Fait de needs, fait de needs, fait de...